Alors Ronan, salut tout le monde. Merci de faire un témoignage. Ouais, je t'en prie, c'est naturel. T'étais nerveux de passer devant la un caméra. Un petit peu, mais c'est pas habituel. C'est pas pour moi une chose habituelle que je fais souvent. Ouais. Mais j'y comptais vraiment faire une entrevue pour déjà ce qui se passe ici. Tu vois, tu parles souvent par vidéo, mais on veut savoir aussi, les gens veulent ressentir le ressenti des adhérents. Oui, c'est vrai. Et moi, je pensais que mettre mon expérience à moi, ça peut contribuer à avoir une meilleure approche du CQMI. Ouais. Et je trouve que c'est la meilleure façon pour toi, pour les adhérents, pour connaître qu'est-ce que c'est le CQMI en fait. Et je crois que dans ce groupe, on a vu beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses aussi qu'on peut ajouter dans l'agence. Comme des rencontres plus entre hommes, communication. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de plus dans ce groupe. Et je suis content de donner mon témoignage par rapport à ça. Ouais, parce qu'au départ, tu voulais pas faire partie du groupe. Non, c'est un peu compliqué pour mon côté parce que comme je travaille beaucoup en ce moment, mais là, j'ai encore doublé mes chiffres de travail. Donc, c'était un peu compliqué de trouver une période pour moi. Mais je me suis, surtout par rapport à mon travail, trouver une date, c'était un peu compliqué. Ouais. Et mon patron voulait surtout savoir une date fixe. Et comme, tu sais, j'avais à Lyon… Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille dans la sécurité privée en ce moment. J'ai postulé comme Hugo. Ben, ah oui, en fait, c'est la même chose qu'Hugo. Ouais. Oui, exactement. La GRC, la RCMP en anglais. Ouais. Je suis, comme peut-être les internautes ne le savent pas encore, mais j'ai la double nationalité canadien et français. Ouais. Donc ça fait de moi un hybride en quelque sorte. Donc je suis dans ce domaine-là, je travaille tout le temps à Montréal surtout en ce moment. Et donc je m'appelle Ronan et voilà. Et comment tu as entendu parler du CQMI la première fois? Par hasard, j'ai trouvé une annonce sur internet, sur le CQMI, parce que tu sais que je suis un grand amoureux de la culture slave aussi. Et c'est juste par hasard, j'ai vu ton adresse, c'était au temps quand tu étais encore sur la rue de Saint-Denis, à Montréal. Et juste par hasard, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je suis venu me présenter, je t'ai posé quelques questions, où j'ai fait affaire à ta secrétaire, je pense. C'était il y a assez longtemps. En fait, comme Hugo, je suis inscrit depuis un peu près un an. Ouais. Et le fait de m'avoir intéressé déjà depuis longtemps, après, il fallait vraiment que je sache si c'était la bonne cause pour moi. Je sais que je voulais vraiment rencontrer ma femme ukrainienne. Ouais. Je sais que je suis assez jeune. Je sais que les internautes se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Ouais. Est-ce que je suis sérieux? Est-ce que j'ai des attentes aussi hautes que les femmes qui espèrent avoir? Et moi, comme j'ai déjà visité l'Ukraine plusieurs fois, j'ai déjà anticipé et je connais je suis en dehors des clichés, tu sais, de véhiculés par les médias, par tout ce qui est négatif par rapport à l'Ukraine. Et c'est pour ça que je suis vraiment attaché à l'Ukraine, à 100%. Tu avais déjà eu une copine ukrainienne, je pense. Oui, il y a ça quelques années déjà. J'ai rencontré en 2013, un peu avant que je rejoigne l'armée, parce que j'ai fait mon service en France. Et c'était au moment où j'ai fait un choix, soit rester aux États-Unis avec faire carrière là-bas et faire des études, soit repartir et faire un engagement de carrière des armes en France. Ouais. Et entre-temps, juste par hasard, j'ai rencontré un groupe de femmes ukrainiennes à Austerlitz, à Paris, et ils m'ont demandé le chemin pour prendre un train. Je les ai guidés et ils m'ont donné l'information d'une des femmes. Je me rappelle plus, ça fait assez longtemps. Et cette femme s'appelle Karina. Et je ne sais pas si elle m'entend. Je pense pas qu'elle doit avoir les vidéos. Non. Donc c'est vraiment une fille de Konopo, je pense. De où? Konopo, au nord de Kiev. Ah, je connais. Konotop. Ah oui, ok, oui. Donc, j'ai commencé à parler avec elle et ça s'est allé super rapidement. Et c'est là où j'ai connu mon désir d'apprendre, m'attirer sur la culture slave. Comme je suis un fan de l'histoire,
ça, vu ça hier. Ça a été. J'ai vu que tu avais publié déjà la vidéo. Ouais. Donc pour moi, l'histoire slave, ça m'a tout de suite attiré. Et en 2013, j'ai fait mon premier voyage ici. C'était avant les événements de Maïdan. Ouais. Et elle m'a fait visiter vraiment Kiev, justement. Les bâtiments, j'ai déjà revu, ça m'a fait rappeler des souvenirs. Et tu sais, je suis tombé amoureux d'elle et vice-versa. Mais ce n'était pas une fille qui cherchait un homme étranger réellement. Il y a des périodes oui, il y a des périodes non, mais elle était jeune aussi. On était tous les deux jeunes, c'était il y a plus de 5 ans. Donc c'était un peu... c'était très timide dans ce sens-là. Et ça n'a pas vraiment marché en fait. On a gardé contact. De toute façon, elle est au courant que je suis à Kiev. Là, elle m'a repris de mes nouvelles. Ah ouais? Oui, oui. Elle me suit un peu petit à petit, là, pour voir ce que je fais. Et je lui ai dit que bon, en ce moment, j'avais fait des rencontres. Et bon, je pense qu'elle est un peu... elle aime pas trop. Elle est assez jalouse parce qu'elle m'a posé plein de questions par rapport à pourquoi je fais... En fait, elle a réouvert les clichés. Les femmes veulent ton argent, les femmes veulent profiter de toi, de ton passeport, des papiers. Elle m'a fait un scénario, mais moi, j'ai été clair avec elle, en fait. Je lui ai dit que... que c'était, j'ai déjà donné sa chance et j'avais plus envie de revivre la même histoire. Et je sais qu'en rencontrant des femmes ici, ben, pour moi c'était assez particulier parce que la première femme que... Bon, j'ai fait un choix, un forfait explorateur, mais la... Mais t'as fait que deux rencontres. J'ai fait que deux rencontres. La première, elle venait de Kiev, elle s'appelle Olga, mais ça n'a pas du tout marché. Ça... Elle venait de l'agence de Poltava. De Poltava, oui. Ouais. Mais c'était... De toute façon, c'était mon troisième choix. J'ai commencé par elle pour voir ce que ça donnait, mais je voyais vraiment qu'elle s'intéressait vraiment à sa vie, à sa vie confortable. De toute façon, Miroslava, elle l'a vu clairement. Je voyais dans son regard qu'elle était ennuyée, qu'elle était embêtée. Elle me disait, elle ose te demander. À chaque fois, elle me disait ça, elle ose. Et moi, je l'ai vu clairement. Au début, je pensais qu'elle était intéressée. Ça paraissait le cas, mais à la fin... Elle est partie comme ça et ensuite elle me dit « tu m'as pas payé le taxi ». En tout cas, ça n'avait pas de sens, ça fait ni queue ni tête. Donc pour moi, j'ai laissé un peu tomber. Mais j'ai pas perdu espoir. J'ai vu qu'Irina, le jour d'après, je veux dire. Irina, ça a été avec Miroslava. Je sais pas si elle peut témoigner là-dessus. Là, mais, elle a témoigné hier. Ah oui? Ouais. Ah, j'ai pas vu. Elle a parlé de moi? Pourtant, les assistantes parlent de leurs clients. Mais Miroslava, elle a bien vu que moi et Irina, c'était fusionnel. Hein. Déjà, quand elle me parlait, elle voulait savoir des informations plus pour la beauté de la personne, l'intérêt de la personne, dans quoi je m'intéresse, dans quoi je veux vivre, mais l'avenir, enfin, ce que l'avenir pouvait la réserver à elle en étant avec moi. Et pareil pour moi, je me suis intéressé à elle. C'est une fille qui est contremaître en construction, en bâtiment. Elle a quitté son travail parce que ça ne lui plaisait plus. Elle voulait changer. Elle est plus à... Elle voulait devenir, m'a dit, comment ? Vétérinaire, parce qu'elle adore les animaux. Et moi, je respecte ça, ça ne m'embête pas. Moi, j'adore les chiens aussi, mais bon, pas tous les animaux non plus. Ouais. Et je pense que on n'a pas respecté le temps de... Normalement, c'est 3 heures à peu près. Miroslava est restée... De la rencontre, Miroslava est restée à peu près 3 heures, à peu près. Puis après, elle est partie. Mais moi et Irina, moi, je dis à Irina, je connais pas la ville, mais allez, on va se promener, on va parler. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de communication. Elle ne parlait pas français ni anglais. Moi, je ne parlais pas russe, enfin, vraiment pas beaucoup, un peu, basique. Mais on s'est promené pendant... Le premier rendez-vous, on s'est promené pendant 2 heures. Et je réussissais à... J'avais pas encore Google Translator. Ouais. Donc, j'étais assez tactile comme... je montrais mon intérêt pour elle et elle m'a montré son intérêt pour moi. Et j'étais vraiment... Je commençais à être sur le nuage, là, comme on dit. Là. Et vraiment, c'est une fille... c'est une fille qui m'a... Je me suis rendu compte que j'ai trouvé la femme avec un grand F. La femme qui donne du courage, elle est forte en plus. J'ai vu ça tout de suite en elle, puis
Honnêtement, je suis content que ça s'est conclu. Ça s'est conclu le deuxième soir. Ouais. On a fait une longue marche de 16h à 23h. Et honnêtement, les gars, j'étais super content. Ah non, c'est là, je nage dans un fleuve à Dnipro, là, tout le temps là, avec elle. Là. C'est vraiment un cas exceptionnel. Oui, parce que tu fais référence au fleuve qui passe à. Oui, à juste derrière, là. C'est. Ouais. Non, c'est un cas. En tout cas, je peux pas. J'ai pas tous les mots là pour décrire, mais c'est vraiment une rencontre exceptionnelle. Et je crois, je suis sûr que on va pouvoir être plus proche. Puis son père est militaire. Hein? Oui, exactement. Son père est militaire. Donc ça, moi, comme j'étais militaire, hein, j'ai. Vous avez des atomes crochus. C'est ça. Et ça, ce qui est drôle, c'est que. Tu sais, tous les petits moments qu'on est ensemble, on remarque des petits détails à l'extérieur de nous, comme s'il y avait quelque chose qui nous unifiait. Je sais que bon, je crois à la bonne étoile, ouais. Au destin peut-être dans un certain sens. Et j'ai vu, comme moi, et elle me le faisait savoir, que quand il y avait un détail qui nous rapprochait, on le faisait savoir. Comme par exemple hier, il y avait un couple devant nous. La femme, ben, de dos, ben, nous on marchait derrière, donc la femme, elle avait les cheveux rouges comme elle. Ouais. Le monsieur, le gars, il avait une casquette noire comme moi et il avait des tatouages ici sur le bras droit. Ouais. Et le gars tenait un panier avec un chien. Ça, pour moi, en fait, ça lie plusieurs points en détail. Ça, comme ça nous pouvait nous représenter dans plus tard, avec un chien, tout ça. Ouais. Moi, j'ai vu ça comme ça et elle m'a fait hey, « regarde, c'est encore un point qui nous… » Encore un signe. Encore un signe. C'est pas le seul. En fait, il y en a eu plusieurs, hein, je ne me rappelle plus lesquels, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, donc il y a beaucoup de détails où j'ai oublié. Mais on a visité beaucoup de choses. Hein. Malgré que, les gars, il ne faut pas s'arrêter aux détails de barrière de la langue parce que ça ne veut absolument rien dire. Ouais. Au début, tu sais, Antoine, j'ai eu peur avec Irina. Parce qu'elle ne parlait pas. Hein. C'est à propos d'elle que tu m'as dit. C'est ça, oui, j'ai dit. Ah ben, je t'ai donné un bon conseil. C'est ça. Alors. Après, je me dis, je vais suivre plus les conseils à Antoine parce que je sais que tu as eu raison sur beaucoup de choses. Ouais. Et comme tu es habitué à venir ici, j'ai dit, allez hop, je suis. Et honnêtement, c'est grâce à toi que j'ai rencontré Irina, sinon j'aurais été plutôt réticent. Mais moi, comme déjà, j'ai une bonne expérience sur. La fille que j'avais rencontrée avant, s'appelait Karina, elle parlait très peu anglais, mais bon, j'avais la même expérience déjà. Donc j'ai tout de suite immergé avec elle pratiquement dans le langage des signes. Ouais, ouais. En plus, elle parle le langage des signes, c'est ça qui est drôle. Ouais. Hier, j'ai remarqué ça quand elle parlait à sa sœur. Elle parlait. J'ai rencontré sa sœur aussi, donc. Sa sœur qui. Elle a présenté sa sœur. Ah, c'est ça, ouais. On a marché pendant un bon moment, mais sa sœur est super intéressante aussi. Elle a quel âge, sa sœur? 27, pardon. Ok. Et Irina, elle a quel âge? 25. Ah, elle est un peu plus âgée. 25, ouais. Mais sa sœur aussi très intéressante. Mais elle a joué un peu l'assistance parce qu'elle parlait anglais. Bon, l'anglais un peu bafou. Approximatif. Ouais, approximatif. Mais c'était excellent. Il n'y a pas eu de... Aucun moment, il y a eu un moment de silence. Peut-être un petit peu au début, mais j'avais toujours quelque chose à dire, elle avait toujours quelque chose à dire. Et Google Translator m'a sauvé la vie. Ça rend service. Mm-hmm, oui, oui. Tu peux même parler sans bon, écrire. Bah, c'est tout sous par écrit. Et, ouais. Bah, moi, j'utilisais des mots simples pour que ce soit qu'elle comprenne mieux. Parce ouais. que sinon, tu sais, sinon c'est plus compliqué si elle ne comprend pas certaines expressions. Ouais. Mais honnêtement, on... Est-ce que tu en as parlé à ton entourage de ton projet? Tu as des frères et sœurs? Oui, oui. Je vais faire une dédicace à mes frères et sœurs, Shelby, Morgan, Brian. C'est pour leur prouver que j'ai réussi, en fait. Même à tous mes amis, à mon beau-frère Maxime. Hein, Maxime, maintenant je suis ici. Et qu'il vit à Montréal, à côté de Montréal, à Saint-Hubert. Okay. Mon frère Paul aussi, si je peux, ma mère, tiens, on va passer à ma mère et mon père. je t'aime, maman. parce que ma mère m'a très bien soutenu là-dessus. Ah ouais? Oui. Elle y croyait, elle a toujours cru en. Parce que ma mère, elle est très croyante déjà.
Donc, ben, elle est chrétienne dans le sens catholique, pas orthodoxe, mais elle m'a toujours épaulé là-dessus et je le remercie vraiment de m'avoir donné ce courage, en fait. C'est pas facile, tu sais, quand déjà de voyager dans un pays où on connaît vraiment pas beaucoup de coutumes, de règles, parce que ça peut partir tout de suite en, comment on dit, en freestyle, en couille. En couille. C'est ça, on peut dire ça. Mais ma mère, c'est une femme sage et qui a beaucoup voyagé et qui connaît les risques. Donc je pense que j'ai dû hériter ça de ma mère, ma chère mère qui s'appelle Elena. Elena? Ouais. Non, on la salue. Ben, je pense que je lui partagerai la vidéo, si elle peut la voir. Ouais. Mon père, il vit en France actuellement, parce que ma mère, elle est sud-américaine, vu monter un peu brun. Et mon père, il est français, il vit au Limousin. Dans le Limousin, dans un coin assez tranquille. Et je passe le salut aussi à mon père. Donc c'est un couple international. C'est ça, oui. J'ai pris l'envie de faire comme eux. Ma mère, je sais qu'elle a fait. Elles se sont rencontrées à Paris et ma mère, elle a dû faire des études à l'université là-bas. Et mon père, comme il travaillait à Paris à cette époque, ils se sont rencontrés là-bas. Et ouais. Ça a fait cinq beaux enfants. Et, cinq enfants? Oui, ouais, de la même père, même mère. Hein. Puis la chose qui est surprenante, c'est que toi, tu es quand même un sacré beau mec. Je suis venu te rencontrer, Antoine. Tu viens chercher une femme en Ukraine, ouais. Et à Montréal. Oui, en fait. C'est quoi ton expérience sur la scène de la dating? Dating à Montréal. Tu sais, à part Est-ce que tu as eu des rencontres avec d'autres filles, avec des Canadiennes? Ouais. Oui, j'en ai eu quand même pas mal. J'en ai eu quand même un peu. Ouais. Bon, je veux pas dire des affaires tout n'importe quoi, parce que je suis sûr que je vais avoir des amis canadiens qui vont m'écouter. Ouais. Ça, je suis même persuadé. Okay. Donc, je ne vais pas dire n'importe quoi. Je ne crache pas sur. Je crache pas sur mon pays. Sur ton pays. Ouais. Ben, je suis français et canadien. Donc, ouais. Le Canada, c'est l'égal de ma mère patrie française. Donc, il faut vraiment que je soigne mes mots là-dessus. Ouais. Mais les Canadiennes, disons que. J'ai peur de me faire taper dessus après, mais bon, ça m'est égal. Elles sont bien, elles sont gentilles, elles sont agréables. Il y en a qui sont vraiment très bien cultivées, ouais. Très bien éduquées. Moi, ce que je cherchais, c'est vraiment, comme je te parlais, quand, avec Rina, j'ai trouvé un sens très profond à ma vie, à le devoir d'homme que je devais être, assumé surtout. Ouais. Je me sentais comme un homme et j'ai voulu suivre ce rôle, assumer ce rôle. Et comme moi, j'ai grandi dans un milieu assez masculin, très homme. Ouais. Donc, j'ai appris tout de suite les termes très masculins. En revenant au Canada, ce qui m'a choqué, c'est de perdre autour de moi ce sens masculin. Le rôle d'un homme, en fait, ouais. Il va avoir vis-à-vis de la femme. Et tout de suite, c'est question de magie aussi. C'est question j'ai senti que je trouvais ça ici. Ouais. Ben, au début, ce qui a lié les deux, la femme et la culture slave, c'est par passion aussi. J'ai trouvé comment faire mon histoire ici, en fait. Ouais. Et finalement, je crois que je suis dans la bonne voie. Ouais. Ouais, je trouve que c'est extrêmement courageux à ton âge d'avoir déjà compris. Puis c'est aussi extrêmement intelligent parce que tu as compris des choses que les hommes plus âgés. Exactement. Ont mal à comprendre, ouais. Oui, exactement. Ça fait un an que je suis dans l'agence. Ouais. Pendant un an, j'ai regardé toutes tes vidéos. J'ai regardé même. Parfois, je te posais des questions, mais tu me disais, mais il m'énerve, lui, en m'envoyant les mêmes vidéos. Non, même pas. Non, tu ne posais pas beaucoup de questions. Il y en a d'autres qui posent beaucoup de questions. Oui. Après, il y a des questions qui vont avec la logique. Ouais. J'avoue qu'il y a des questions qui sont. Ben, toutes les questions ne sont pas stupides, mais il ne faut pas abuser non plus. Mais quand j'ai pris conscience que sur toutes tes vidéos, honnêtement, j'ai vu tes 300, il y en a 300 à peu près. 300, ouais. Toutes tes vidéos, j'avais hâte, comme si j'ai regardé une télésérie. Ouais. J'avais hâte que tu sortais pour m'en inspirer justement, ouais. Pour découvrir. Au début, on a toujours peur de l'agence. On pense aux arnaques, on pense aux femmes justement qui peuvent
avoir les papiers. Ils ont raison de penser ça. Ouais. Et moi, j'ai passé mon temps à voir si l'agence était fiable déjà. Ouais. Et j'ai eu ma réponse très tôt. Très tôt ? Très tôt. Parce que déjà, le fait que tu... Je peux tutoyer. Ouais, ouais. Que tu montres de l'intérêt sur les adhérents, sur les clientes qui ouais. sont vérifiées, que toutes tes questions en vidéo sont très très claires ouais. et très approfondies, c'est le manque des autres agences que tu fais. Tu complètes ce que les hommes veulent ouais. savoir. Ensuite, c'est sûr qu'il y a des petites choses à améliorer, mais c'est tout à fait normal. L'agence existe depuis 3 ans, ouais. mais je pense qu'elle est de très très bonne voie, honnêtement. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Une des choses que je voudrais dire aux hommes, qu'il ne faudrait pas qu'ils hésitent parce qu'ils peuvent manquer une occasion de leur vie, honnêtement. Lorsqu'on arrive à Kiev, on a notre hôtel qu'on a réservé, ouais. que ce soit l'hôtel Kren ou différents types de places. On arrive sur les lieux. Bon, ça dépend si on prend les forfaits explorateurs, forfaits tout inclus. 8 rencontres. Oui, c'est ça. Ce qui manque, c'est qu'il faut être en communication entre les hommes. Ouais. Il n'y a pas assez de communication entre les hommes, que ce soit explorateurs ou tout inclus, il faut que les hommes parlent entre eux. Ouais. Et c'est pareil pour les femmes. Je t'avais parlé qu'Elena, la conjointe à Steve, ouais. et Irina, ils sont devenus des meilleurs amis. On a fait une rencontre, on a fait un dîner en couple. Ah oui, de Stéphane. Ouais. Excuse-moi, je dis Stéphane. Steve, excuse-moi Stéphane, excuse-moi oui, d'avoir... Oui, quand on a fait l'excursion. Ouais. Et juste après, quand tout le monde est rentré à l'hôtel, moi, Hugo et Stéphane, ouais. on est restés, on a fait un dîner entre couples. Ouais. Et moi et Stéphane, on a beaucoup parlé, mais on a remarqué qu'Elena et Irina, vu qu'Elena elle a 10 ans de plus qu'Irina, ouais. elle a coaché Irina. Ouais, ouais, moi, ouais. je comprenais pas grand-chose, c'était en russe, mais ils ont parlé pendant 3 heures, pratiquement sans arrêter, c'était incroyable. Les femmes, ils ont besoin de se rassurer. Ouais. Ils ont besoin de parce qu'ils ne savent pas trop dans quoi ils embarquent à peu près, parce ouais. qu'il y a beaucoup d'arnaques à Kiev, il y a beaucoup de corruption, ouais. qu'on ne sait jamais. Tu vois. Et les femmes, comme les hommes, moi, ça m'a fait un bien fou de parler à tout le monde, pas ouais. juste à Stéphane. Ça fait du bien. Hein, ouais. Oui, oui. À Hugo aussi. Hugo, salut Hugo. Hugo qui... Qui va aussi lui faire un témoignage. C'est ça, oui. Ouais. Hugo qui... Qui est un entrepreneur très... ils font, c'est un Québécois, donc c'est... allez, on fonce comme Yann, là. Et, de toute façon, c'est eux qui parlent le plus, ouais. ça a marqué. Après, j'ai pas beaucoup parlé, malheureusement, j'ai pas eu le temps de parler aux autres adhérents, Jesse, bah, Daniel Louis, hein. Ouais. ma belle-mère, elle est belge, donc salut Marianne. que Daniel est belge aussi, donc... sinon, c'est ça qui manquait le plus, c'est de savoir les expériences des autres. On apprend beaucoup de ce que les autres disent. Oui. Ça nous apprend sur ce qu'on peut dire, les coutumes des femmes surtout. Ouais. Moi, j'ai beaucoup appris de ça et pour moi, c'est le gros point à améliorer. Ah ouais, donc toi, tu trouves qu'on devrait encore plus socialiser le groupe. Ouais, ouais. Ça va être un groupe dans les deux sens. Faire encore plus d'activités de groupe. Soudé, ouais. Ouais, ouais. Exactement. C'est un groupe soudé. Et je pense que avoir un couple soudé, ça nous permet dans des moments de... Souvent, Hugo, Yann me disaient que dans les temps morts, quand ils n'ont plus de rencontres, ils ne savent pas trop quoi faire. Ouais. Ils se baladent tout seuls, ils ne savent pas trop quoi faire. Mais quand moi, j'ai partagé mon Viber, ouais. Surtout à Yann, je parlais à Yann, j'ai rien à faire aujourd'hui. Soit Irina ne pouvait pas venir, donc j'étais seul, je faisais rien. Moi, j'habite en dehors de l'hôtel, ouais, ouais. donc c'est un peu compliqué pour moi, je suis un petit peu plus loin. Donc je disais à Gann, ben, j'arrive à l'hôtel. Tu viens comment d'ailleurs ici ? En métro. En métro ? Oui, Irina m'a tout expliqué. En plus, c'est quoi ta station de métro ? Lovos, s'appelle, c'est après Hydro Park. Ah, Lievebережная. Oui, ça doit être. Moi, je retiens juste les trois pommes. Ouais, c'est la rive gauche. C'est ça. Ouais, c'est juste à côté de là où Borislava habitait. Ouais, c'est joli ce coin-là. Ouais, il y a beaucoup de marchés quand même. Ouais. C'est quand même pas. C'est joli, mais bon. Pour la dernière journée, je vais être à côté là. Kiminski. Non, Kiminski Hotel. Kazatsky. Kazatsky. Celui qui est sur la place. Oui, c'est ça, c'est ouais. lui. Pour changer un peu là. En plus, j'avais déjà prévu de changer. Ouais.
Sinon, voilà, c'est le point. Demain soir, tu vas venir avec. Oui, c'est ça. Donc, vous allez me voir en 31, en habit 31, ouais. Parce que je ne l'ai pas amené pour rien, honnêtement. J'avais envie de le sortir, mais il faisait trop chaud. J'espère que Rina, vous allez voir aussi Rina, belle comme une fleur, de toute façon. On l'a déjà vue à la sortie. Ah oui, c'est vrai, mais là, elle sera préparée. Donc, bien habillée. Ben, moi, je vais fondre encore. Ouais. Mais, c'est une belle femme, hein. Oh, oui, c'est une femme. Elle a quel âge? Elle a 25 ans, elle vient de Donetsk. Et toi, 26 ans? Genre 26 ans, au mois de juillet. Vous avez le même âge, donc. Donc, ben, c'est pour ça que on est ultra, ultra compatibles dans beaucoup de choses, en fait. J'ai pas. Non. Honnêtement, c'est une fille qui a vraiment du peps, comme on dit. C'est ça, on dit peps. C'est, moi, je mélange québécois et français. mais elle est très. Les filles ukrainiennes sont très fortes physiquement et mentalement. Elle m'a beaucoup impressionné. Quand moi, je m'arrêtais pour boire un coup, elle marchait. Mais elle me tirait avec le bras. Là. Moi, je lui montrais que, bon, vas-y, je dois avancer, sinon je ne veux pas qu'elle traîne un boulet. Mais honnêtement, t'es en forme, toi, je suis en forme, mais j'ai perdu du poids, quoi, avec elle. Parce que elles sont habituées, il y a beaucoup de montées ici. Ouais. Au Québec, c'est plat, mais il y a beaucoup de montées. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi marché longtemps. Ouais, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien, oui. Mais elle, après, elle m'expliquait différents lieux, mais elle ne vient pas aussi d'ici à 100%. Donc, on s'est renseigné à droite et à gauche. Oui, La visite guidée qu'on a fait il y a 2 jours. On l'avait déjà fait, Irina, la veille. On a même fait un petit peu plus, là. On avait déjà tout visité, mais ça nous a fait du bien. Parce qu'on est encore ensemble. Ouais. C'est important d'être toujours ensemble, je lui ai dit. Même ce matin, j'ai dit à Irina, autant profiter de chaque moment qu'on peut être ensemble pour profiter, puis aussi apprendre à développer une chimie entre nous, une relation très importante. Ouais, ouais. Elle est entièrement d'accord. Et Miroslava, je pense que... Ah oui, au sujet de Miroslava... T'as bien aimé ton assistante, ouais. Oui, Miroslava, c'est une femme qui aime expliquer avec précision. Ouais. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle voit, elle traduit très 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 bien. Ouais. Parce qu'elle traduit mot par mot. C'est une prof à l'université de français. Son français est excellent, ouais. J'ai rien à redire. Elle connaît beaucoup d'expressions français, moins québécois. Ouais. Mais bon, ça n'a pas posé problème. Et Miroslava, elle s'inquiétait aussi si j'avais bien compris, si j'avais mal compris. Elle a vraiment aimé. J'ai vu dans son regard qu'elle a adoré notre rencontre, même avec Irina. Ouais, ouais. Donc pour moi, Miroslava, c'est une perle. C'est vraiment une perle, une femme qui a sa place, qui a vraiment sa place ici. Elle est très professionnelle, elle est sérieuse et elle est attentive aussi à ce que je dis, même par rapport à Irina. Et après avoir fini la conversation, elle veut que je trouve mon chemin. Elle m'accompagne, comme Irina, elle m'accompagne jusqu'à la bouche du métro, jusqu'au train, pour que je sois vraiment pas perdu, en fait. Et elle me dit si tout va bien. Vraiment, c'est une femme d'exception. D'exception. Donc, c'est le petit mot que j'avais à dire pour mon assistante Miroslava. Je sais que ça fait pas longtemps qu'elle travaille ici. C'est non, mais vraiment, je suis content d'avoir fait affaire avec elle. Et tu veux la revoir demain. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'était son anniversaire il y a 3-4 jours. À Miroslava? Je lui ai dit que... Non, je savais pas. Je sais pas, 3-4 jours ou 5 jours, je sais plus trop bien, mais j'aimerais l'inviter au restaurant juste pour... Parce que je l'avais dit au début, j'aimerais t'inviter pour te remercier, mais aussi pour dire bon anniversaire ou bonne fête québécois. Donc j'y tiens vraiment. C'est comme si je lui devais quelque chose, mais c'est puis pour... Puis tu restes jusqu'à quand ici? Moi, je pars samedi à 11h30 le matin. Ah, samedi, ok. Ouais. Peut-être trouver une excuse. Ouais, ça va être dur de partir. Hein. Oui, ça va être très dur. Comment vous voyez le futur, tous les deux? Vous en avez parlé un peu? Tu vas revenir? Tu vas l'inviter? Comment tu veux faire pour la suite? Elle m'a dit que c'est sûr que je vais seulement revenir ici pour reconfirmer... Je peux pas dire je t'aime maintenant parce que je t'aime, c'est vraiment sacré ici et pour moi aussi ça l'est. C'est vraiment sur le temps, mais mon intérêt, mon attachement pour elle, je lui ai dit que je reviendrai le plus tôt possible. Peut-être en septembre,
peut-être plus tard, mais je sais pas. Tout ça, c'est assez flou, mais elle est consciente que qu'un jour, elle devrait partir avec moi au Canada. Ouh. Le conseil que je te donne, c'est de... Pour les jeunes femmes, il ne faut pas que ce soit trop long. Ouais. Parce que les jeunes femmes, elles sont moins patientes que les femmes plus âgées. Ah oui? Ouf. D'accord, ben ça va... Il ne faut pas attendre trop longtemps. Je vais mettre ça dans mon planning en plus. Quand on est jeune, ça va... Ben, je le lui temps dit... passe moins vite. Je lui ai dit le plus tôt possible. Le plus tôt possible, je... Peut-être septembre, ce sera c'est assez rapide. Je pense septembre, c'est 3-4 mois. Hugo m'avait parlé aussi qu'il voulait repartir en septembre ou octobre, fin septembre. Oui, il parlait ce matin de faire un autre voyage. Moi, j'aimerais bien l'accompagner. Surtout que c'est la saison basse, donc il y aura moins de il sera plus fluide. Oui, puis les billets coûtent moins cher. Oui, bon. Tu peux trouver des billets à 700 $. Même moins aussi. Ouais. Ça dépend des compagnies airlines. Mais moi, c'est sûr que Irina me fait voir les choses autrement en plus. Donc, Et de rester en contact aussi, c'est oui, important. Oui, elle m'a dit qu'on fera du Skype translation. Ouais. Donc pour moi, c'est la meilleure chose pour garder en contact. Puis moi, ça ne me dérange pas, je ne suis pas affecté de l'éloignement. Quand j'étais souvent éloigné de mes parents, de mes sœurs, et j'ai eu une habitude à rester seul. Malheureusement, si on reste toujours seul trop longtemps, ben, on dépérit, c'est ça? Ouais. On dépérit. Et c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc les hommes, si vous êtes tout seul en ce moment, songez vraiment à partir, à rencontrer une femme ici, parce que vous allez trouver vraiment des perles rares. Ouais. Des perles rares. Comme, une belle mentalité. C'est ça, une très belle mentalité. Je suis sûr que c'est pour ça que tu as créé l'agence, Antoine, que tu as rencontré Boris Lava, ouais. Une femme merveilleuse, parce que tout le monde, tous les adhérents en parlent. Ouais. Tous les adhérents t'envient, parce que ils voient que vous êtes heureux tous les deux. Ouais. Avec Tatiana, la petite fille, Tatiana? Diana, excuse-moi. Ouais. Je sais pas, je remélange les noms. Mais c'est mon mot à dire par rapport à ça. Je sais que les hommes viennent de tout horizon, peut-être même aux États-Unis, au Canada, France, Belgique, Suisse. Tu vas même attirer la clientèle peut-être un peu plus loin, un peu plus. Ouais. Je sais pas, hein, mais bon, je sais que plus on fait de messages positifs, ben, il n'y a que des messages positifs, plus je suis sûr que ton agence va gravir les échelons. Ouais. Ça, j'en ai aucun doute. J'ai quand même regardé quelques agences en France. Ben, je ne veux pas dire les noms pour ne pas écorcher tout ça, mais celui qui a été le plus, ben, c'est laquelle je suis à l'agence CQMI, parce que les autres étaient plus faire des... comment dire, dans, de toute façon, tu en as parlé dans des points spécifiques dans d'autres vidéos, c'est de recevoir des lettres des femmes qu'on n'a pas de communication directe avec elles. C'est ça, souvent, c'est ça, et ça ne me plaît pas. Ouais. Ben justement, quand j'ai décidé d'aller dans ton agence, j'étais entre deux agences, entre l'autre agence qui était en France, basée en France, et ton agence. Ouais, tu m'en avais parlé, je me souviens. Et j'ai pas trouvé ça très clair et j'ai fait mon choix tout de suite. Ouais. C'est pour ça que je m'étais inscrit tout de suite pour pas perdre de temps. Et... Bah, t'as fait un bon choix. Oui, ben maintenant, j'espère qu'il y aura un baby CQMI dans quelques années. Ouais. C'est ce que je souhaite, en tout cas pour moi, là, mais pour les autres aussi, j'espère aussi. J'espère que ça va bien fonctionner pour tous les autres adhérents. Ouais, du groupe, ouais. Et les futurs adhérents aussi. Hein. De toute façon, en plus, la ville, elle est très belle, mais venez pas juste pour visiter, venez aussi pour la femme. C'est important pour la femme. Vous focalisez sur l'intérêt sur la femme. Ouais. Elle le voit directement. Et exactement, ça, c'est un très bon conseil. Parce que avec Irina, tout ce qu'elle me disait comme question, je le voyais. Parfois, ça me gênait que je regardais trop de bâtiments. Tu sais, mais tout de suite, j'ai rattrapé le coup. Oui, oui, oui. Elles veulent vraiment être certaines que tu es venue pour Et proche d'elles. Il faut les laisser venir à nous. Il ne faut pas être trop entreprenant, parce qu'elles peuvent le prendre très mal. Tout à fait. Moi, avec Irina, le deuxième soir, ça peut te paraître un peu... Peut-être trop vite, mais je l'ai laissé venir à moi. Ouais. Elle a accepté de s'ouvrir à moi. Et je lui dis, ouvre ton cœur pour moi. Si je t'intéresse, ouvre ton cœur. Ben, je n'ai pas dit juste d'une manière un peu plus... souple. Et on s'est embrassé le deuxième soir. On s'est embrassé. L'amour était dans le baiser.
C'était, je sais pas si c'est un peu gêné de dire ça, mais c'était électrique. Et après, on dirait que j'avais pris de la drogue, je faisais... non, je dirais pas dans ce sens-là, mais c'était magique. Et Irina, je l'ai vue aussi directement, mais je l'ai laissé venir à... Mon conseil aussi, un deuxième conseil, c'est laisser les femmes venir à s'ouvrir à soi. Ouais. Donc voilà, c'était mon petit discours là-dessus. Je ne sais pas si tu as d'autres questions à me dire, Antoine. Non, c'est parfait. Parfait ? Ok. C'est génial, tu as été... Ah ben merci. Ben, j'espère juste... c'est du direct, là ? Non, c'est pas du direct. Ok, d'accord. Sinon, j'aurais dit... s'ils ont des... Ben oui, sinon, tu aurais ton ordi. Ben, si les hommes ont d'autres questions par rapport à ça, ben, qu'ils n'hésitent pas. Ils connaissent mon identifiant sur YouTube, donc, ouais. Qui me parle surtout à... C'est vrai que tu participais beaucoup au live et tout ça. Un petit peu, ouais. J'essayais d'être là parce que je travaillais surtout et un petit peu rapidement, mais je lisais surtout les commentaires. Après, bon, il y a beaucoup d'hommes qui se posent des questions, qu'ils ont raison de poser des questions comme... de l'intérêt, comment faire venir une fille comme ici. Ça dépend, en France ou au Québec, c'est pas la même chose, mais quand une fille s'intègre au pays, il faut surtout qu'elle soit en lien avec les autres filles de Sukimi qui sont déjà dans le pays. Oui. Ou dans la communauté ukrainienne, qui est déjà au Canada. Je sais qu'au Canada, au Canada, c'est énorme. Puis on en a plein de couples, on a plein de mariages, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, c'est garder la communication. Ouais. Donc la femme ne va pas se sentir seule. Parce que c'est bien d'avoir un mari qu'on aime et tout, et qu'on chérit. C'est vrai. Mais si on n'a pas de lien, c'est plus dur. Plus dur. Donc pour moi, déjà, Elena, la conjointe de Stéphane. Oui, mais elle va aller en France. Elle va aller en France, mais ils vont garder une communication, c'est sûr. Ils vont échanger les Viber déjà. Ouais. Donc, ils vont vivre un peu la même chose, mais c'est pas le même pays. Voilà, mais je pense qu'ils vont garder. Moi, de toute façon, je vais être vigilant là-dessus. Je connais quelques Ukrainiens et Russes au Canada. À Montréal, ça en est plein. Hein. Donc, moi, je vais aller tout de suite dans cette direction. Est-ce que je vais poser des questions. Est-ce que tu peux. Aiguiller Irina en a besoin. Ah bah oui, elle va prendre contact avec Borislava. Et puis, oui, j'espère le plus positif possible. Hein. Moi, je suis mentalité de fer, donc comme Irina, je suppose. Donc. T'es un homme d'action. Bah, je préfère, ouais, je préfère. Parce que si on n'est pas d'action, bah, tout s'écroule autour. Donc voilà. Merci. Bah, merci Antoine. Je vais faire un bisou, mais pas devant la caméra. Salut. Close my eyes, not pretend at all. I don't wanna start. Every day looking out and up. Trust me, I got it all figured out. Tell me your secrets and I hide them away inside. Keep them real safe in the palm of my hand. In between the palm of my hands. In between the palm of my hand. Understand. You just